Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtu, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra tout simplement de réavoir et de réacheter les klaxons disponibles dans le DLC de l'Independence Day. Donc pourquoi je fais cette vidéo qui vont dire, des personnes vont dire que c'est complètement inutile? C'est tout simplement pour les personnes qui n'ont pas pu profiter du DLC car ils étaient en vacances, car ils étaient bannis, bref, qu'ils étaient absents. Donc je vais pouvoir... Et je vais vous aider à pouvoir profiter de ce DLC. Donc vous allez pouvoir acheter les klaxons. Donc nous essayons toujours de trouver un moyen de pouvoir racheter le Liberator, les vêtements et la souveraine. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit bug que Venger et moi avons trouvé. Et qui pourrait peut-être nous aider pour essayer de pouvoir racheter le Liberator. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc pour les klaxons, donc c'est très simple. Donc vous voyez bien que là j'ai les klaxons IM américain, IM 2, IM 3, IM 4. Donc je les ai tous, donc j'en ai 32 au total. Donc là vous êtes en train de dire, ouais mais comment tu vas nous montrer que tu vas les avoir à nouveau? Donc les klaxons de l'Independence Day c'est américain 2, 1, 2, 3, 4. Donc je vais tout simplement me rendre avec mon personnage secondaire qui m'est pas très utile, mais qui m'est utile pour ce genre de vidéo, étant donné qu'avec mon personnage principal, j'essaye d'acheter le maximum de choses afin de vous en faire profiter et de vous montrer un peu ce que ça donne sur quand les mises à jour sortent. Donc on va prendre le personnage secondaire. Et du coup, en attendant, moi, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, que ce soit des glitches d'argent, d'RP ou même de duplication. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Le lien se trouvera dans la description. Et pourquoi pas aussi m'ajouter sur mon compte personnel qui se trouvera dans la description aussi. Donc, on va attendre que le chargement se fasse. Je vais aussi vous inviter à rejoindre la chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation. On vient de passer le cap des 3000 abonnés. On va bientôt passer le cap des 3000 abonnés. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est juste énorme. Merci. Merci, voilà. Tout simplement. Merci. On va tout simplement attendre que le chargement se fasse. Vachement loin à chaque fois ce chargement, c'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. La 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 la. Je sais pas quoi dire. On vient de passer aussi le cap des 5000 membres sur le groupe. Merci. Waouh. Il y a trop de monde. 4000 membres sur ma page. 5000 membres sur, sur mon groupe Facebook. Et plus de bientôt 1000 amis sur mon Facebook personnel. Donc là, je vais. J'ai respawn dans le Los Santos Custom. Je vois pas pourquoi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais aller dans le klaxon. Donc là, vous pouvez voir que les klaxons, je les ai tous. Là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais Virtuos, tu te fous un peu de notre gueule. Pas du tout. Vous allez voir, je vais prendre un autre véhicule dans la rue. On va prendre un véhicule aléatoirement. On va chercher un véhicule dans la rue pour vous montrer. Après, vous pourrez le réaliser avec vos voitures. Il n'y a aucun souci, ne vous en faites pas. Faut pas forcément prendre un véhicule qui sera dans la rue. Mais c'est juste pour vous montrer un peu la manipulation qui est vraiment très très simple. Il n'y a vraiment rien de très dur. Donc en espérant que Simone ne voudra pas de cette voiture. Nickel. Donc, voilà, let's go to the Los Santos Custom. Donc vous allez tout simplement aller dans le Los Santos Custom avec la voiture que vous voulez, hein, ou si vous voulez mettre le klaxon avec la Zentorno, bref, avec toutes les voitures. Donc là, je vais aller dans le klaxon. Vous pouvez déjà voir que les klaxons, je ne les ai pas. Et là, à ce moment-là, vous dites, ouais, mais Virtuos, comment, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, pour... que le glitch fonctionne, il faut tout d'abord que ce soit un véhicule qui soit balisé et assuré. Et après vous allez vous rendre dans les klaxons et vous allez tout simplement acheter le dernier klaxon. Et quand vous allez acheter le dernier klaxon, bizarrement tous les autres klaxons vont se débloquer et vous allez pouvoir les acheter. Et c'est des klaxons qui sont disponibles dans le pack de l'Independence Day. Donc après vous les achetez et vous les mettez selon votre goût, vos goûts musicaux. Et du coup voilà, j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. On vient de passer le cap des 43 000 abonnés aussi, j'ai oublié de vous remercier. Merci beaucoup à tous. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook et bref, tout le patatras, tous les liens se trouveront dans la description. Et donc du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Bah non, mais plus. Attends, je joue quoi? Viens me tuer parce que je t'ai tué plein de fois. C'est pas proportionnel après.
Ah, ta bite. Non. À ton Non. poids. Ta gueule. Mais pourquoi il veut me tuer lui? Et je lui ai rien fait, hein. T'es niveau 119. Non, recule. Mais viens, Nathan, viens là où je suis. Mais non, mais il va me tuer l'autre. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.